La vie chrétienne, on a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et puis il y a la dimension physique. Souvent, la dimension spirituelle, quand Dieu veut te communiquer certaines réalités, il va te donner des rêves ou bien des visions. Quelquefois, les rêves que tu fais là, c'est une démonstration, c'est une révélation claire de ce que Dieu veut que tu sois. Quand tu fais un rêve, par exemple, et puis tu ramasses l'argent, ça veut dire que normalement, Dieu veut que tu sois riche. Mais à la réalité, tu vas te réveiller, tu es pauvre. C'est là même qu'on va venir t'encaisser. Mais si tu as peur, tu vas voir que ce que tu as vu dans ton rêve ne va jamais se réaliser. Mais c'est toujours l'opposé qui se réalise. Mm. Tu as besoin de dominer ta peur, yes, pour que tu puisses attraper ce que Dieu t'a promis. Yes. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans notre dimension spirituelle, on est béni, on est élevé, on est grand, on est dans toute la gloire. Mais comme on n'a pas confiance assez en Dieu, on a peur et on ne peut pas saisir ces choses-là. Je prie pour toi, je prie pour moi-même. Que tout esprit de peur, yes, libère ton cœur, libère ta pensée, amen, libère ta parole, amen, libère ton cœur, libère ta pensée, amen, libère ta parole, amen, libère ton cœur, libère ta pensée, amen, libère ta parole, amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La peur, il faut enlever la peur de ton cœur, de ta pensée et de ta parole. Parce que la parole enracine la peur. La pensée stabilise. Ça veut dire que la pensée te donne la peur comme habit. Et puis, ton cœur, c'est la racine de tout ce que tu es. Si c'est la peur qui domine ton cœur, toi, tu es déjà quelqu'un. Tu existes, mais en réalité, tu es déjà mort. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir quoi ? Peur. Parce que ce qui est malheureux, ta peur va se transformer en une foi négative. Et c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Faut pas avoir peur. Amen. Amen. Faut pas avoir peur. Parce que quand tu as peur, le doute n'est pas loin. Ouais. Or, quand tu doutes là, Dieu peut pas t'exaucer. Oui. Quand tu as peur, l'incrédulité n'est pas loin. Hey. Quand tu es incrédule, Dieu peut pas te répondre. Oui. Faut laisser affaire des peurs. La vie est faite de problèmes. Yes. Et les problèmes sont faits pour que Dieu les règle. Oh, yes. Donc, si un problème vient, il ne faut pas trembler, il ne faut, yes, pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas faire comme si tu n'as pas Dieu avec toi. Mm-hmm. Tu as Dieu avec toi ou bien tu n'as pas Dieu avec toi. Dieu avec moi. Dieu sait tout. Il sait. Yes. Il te connaît avant que tu n'existes. Oui. Il te connaît quand tu as commencé à exister. Il connaît les détails de ta vie. Il te connaît, il connaît tes ennemis, il connaît tes adversaires, il connaît tes bienfaiteurs. Yes. Il te connaît, il connaît toutes les clés des miracles de ta vie. Yes. Si tu mets ta confiance en lui, yes, tu verras sa gloire. Amen. Et lui, tu verras quoi? Sa gloire. T'entends pas bien, tu verras quoi? Sa gloire. Yes. Yes. Pas peur. Sa gloire. Faut refuser la peur. Tu as dit quoi? Refuser la peur. Faut refuser la peur. Je refuse la peur. Amen. Amen. Amen.